Bonjour à tous et bienvenue sur notre podcast 7 mois de jardinage avec Hubert en partenariat avec la gamme Les Saveurs du Potager. Aujourd'hui, on plonge dans le monde des plantes aromatiques. Je suis Patricia, passionnée de jardinage et je suis ravie d'accueillir Baptiste, notre jardinier en herbe. Prêt à parfumer et relever le goût en cuisine ? Salut Patricia ! Oh oui, je suis tellement excitée d'en apprendre plus sur ces petites plantes qui font toute la différence dans nos plats. On va commencer par le roi des aromatiques, le basilic. Baptiste, tu en as déjà cultivé ? Eh bien, j'ai essayé, mais mes basilics n'ont jamais survécu. Trop de soleil, pas assez d'eau, je ne sais jamais comment les maintenir en bonne santé. Pas de souci, on va régler ça en 10 secondes chrono. Regarde ici le basilic grand vert compacto. Il est idéal pour une culture en pot et donc parfait pour les petits espaces. Il a de belles grandes feuilles vertes et lisses et il adore le soleil. Idéal pour un balcon ou même un rebord de fenêtre bien ensoleillé. Oh, donc je peux vraiment le cultiver en jardinière ? Absolument. Il suffit de le placer en plein soleil, d'arroser régulièrement mais sans excès. Un petit conseil, pince les feuilles au-dessus de deux autres feuilles pour encourager la pousse. Et surtout, pas de fleurs. Si tu vois des hampes florales, coupe-les immédiatement. Je note, pas de fleurs. Et en cuisine, il est aussi polyvalent qu'on le dit ? Oh oui, le basilic est un must-have pour les salades de tomates, les pestos et même les soupes comme le pistou. Un vrai délice. Génial, j'ai hâte de me faire de bons petits plats méditerranéens. Et si je souhaite ajouter un plant de persil, quelle variété tu me conseilles ? Le persil plat Lyon, un autre indispensable. Ce doux géant d'Italie a une saveur fraîche et aromatique qui résiste bien à la cuisson. Ce persil, c'est le top pour garnir les plats estivaux et ajouter une touche de fraîcheur. Il est super facile à cultiver, il lui faut juste un sol riche et bien drainé. Je peux le planter dans une potée ? Oui, tout à fait. Il te faut un pot profond pour ses longues racines pivotantes. Ajoute du compost et veille à bien arroser. Il est même résistant au mildiou et à la septoriose. Cela te garantit une belle récolte. D'ailleurs, je te conseille de cueillir ces grandes feuilles au fur et à mesure des besoins. Ça a l'air simple en fait. Il sera idéal dans mes salades fraîcheurs. Et pour finir en beauté, j'aimerais avoir un plant de menthe pour me rafraîchir cet été. As-tu une idée ? Ah oui, je vois. Je te propose la menthe Mojito Cocktail, au doux parfum de chlorophylle, que tu peux voir ici. Celle-ci est parfaite, comme son nom l'indique, pour les cocktails réussis. Mais aussi pour les limonades, l'été, les salades de fruits ou même les plats asiatiques. Elle est presque envahissante, donc attention, si tu la plantes en pleine terre, en pot, c'est plus facile à gérer. C'est noté. Des Virgin Cocktail maison, ça me parle. Donc en pot, mi-ombre, arrosage fréquent, et c'est tout. Exactement. Et en plus, elle éloigne certains insectes nuisibles. En bonus déco, tu peux utiliser des tuiles pour la contenir. Et n'oublie pas de tailler régulièrement les fleurs pour prolonger la période de récolte. Super astuces, Patricia. Merci pour tous ces conseils. Je vais devenir un pro des aromatiques grâce à toi. Avec plaisir, Baptiste. Et à nos auditeurs, n'hésitez pas à partager vos expériences et questions sur nos réseaux sociaux. À très bientôt pour de nouvelles aventures avec 7 mois de jardinage avec Hubert.